player, but your wheels ain't fly, you gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien, tant mieux. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va monter le PC devant vous. Ça va vous permettre de voir un tout petit peu comment monter un PC, étant donné qu'on a quand même un ingénieur ici quand même, Rémi. Mais celui-ci n'est pas un Rémi sans amis, c'est un Rémi qui a des amis quand même. J'ai beaucoup d'amis. Voilà, c'est moi, je suis son ami. Voilà, donc c'est un Rémi avec un ami. Je voyais tout de suite la blague de merde arriver, ouais, Rémi sans ami et tout, donc j'ai préféré le cliché, mauvais délire. Voilà. Bon, alors aujourd'hui on va monter cette bestiole en fait, ça y est. Ouais, enfin, je suis content. Il aura fallu à peu près 2 ans, là, je rigole. Oui, hein, 2 ans, 3 ans même. Donc voilà, là on se retrouve avec une tour de Zenman. Z11 Plus, voilà, merci Elian. Donc on va commencer par la préparation, donc c'est une vidéo style tuto, on va vous montrer comment on met les pièces exactement, où elles se placent dans la tour, parce que sinon on va l'ouvrir premièrement, on va lever les deux premières vis. Ouais. Monsieur l'assistant, merci. Voilà monsieur. Voilà. Donc voilà, nous voilà à l'intérieur, donc sur ce panel, nous avons 20 kg ici, avec un branchement. Voilà. Donc là on est à l'arrière de l'ordinateur, on va retourner l'ordinateur, on va enlever la partie avant. Donc, toujours la même chose avec ventilation sur les portières. Là nous avons les branchements, tout ce qui est qui concerne les USB, la face avant où il y a les USB, les ventilos, le son, prise mon jack, enfin voilà. Allez, on va passer à autre. Alors là vous voyez, vous avez les petits branchements, tout ce qui est modèle ATX. Mi ATX, ATX, grand modèle de la carte mère. Là, on va placer, premièrement, on va pas placer la carte mère. Il faut d'abord faire son support. D'accord. C'est-à-dire placer ses vis. Retiens aussi. Placer les petites vis, tu vois, par rapport à la carte mère. La carte mère va faire cette dimension. Du coup, on va placer les vis où elles sont demandées. Donc voilà, là, on a la carte mère à main. Donc c'est une MSI Z97A Gaming 6. Hein. Nous avons aussi la pâte thermique. Ouais. Hey, mais on va être la mayonnaise avec, c'est con. Je veux dire, c'est vachement gentil à eux de penser à nous. Ouais. De la nouvelle mayonnaise pour processeur. Donc là, nous avons le CD pour le BIOS, les drivers, etc. Ça, c'est le cache qu'on va mettre derrière la tour, qui sera placé là. Donc il a les branchements internet, etc. Bon, ça, c'est de la pub. Ça, c'est des autocollants. Ça, c'est un guide. Ça sert à rien. Et ça, c'est un guide aussi. Il nous faut une pince, vaut mieux, hein, pour les serrer. C'est ce qu'on va serrer. Je vais vous montrer directement la vis. Donc là, une fois avoir placé les vis sur la tour, on va placer ceci. Vous voyez, vous pouvez voir que c'est reconnaissable, hein. Ça vient derrière la tour. On a le DVI, le DVI ici, le VGA, donc tout ce qui est branchement carte graphique. C'est à l'envers. Branchement internet. C'est à l'envers. Ouais, voilà, c'est moins cher. Et ça va venir, je tourne la tour, ça va venir ici. Alors on va le placer, sans se tromper bien sûr. C'est l'envers ou c'est pas l'envers? Attends, parce que la carte mère, elle va me dire, tu l'as bien l'envers. Vraiment, on va la mettre comme ça. Si je me suis trompé, je corrigerai le truc tout à l'heure. J'ai pas vu la carte mère. Voilà, on met d'abord le bas, ici. Une fois qu'on a mis le bas, on clipse le haut, tout simplement. Hop. Voilà, c'est clipsé. On est reparti. Donc là, on a placé le support. Nous avons mis le petit truc. Je pense qu'on va oublier la tour quelques secondes. On a préparé les pièces aussi. On n'a pas encore préparé la cage à disque dur, mais on le fera ça en dernier. On aura de la place pour les câbles. On va s'occuper du ventirad. J'ouvre le ventirad, au moins je ferai quelque chose dans la vidéo. Voilà. Ouais. Donc là, comme je l'ai dit, il y a un truc à l'intérieur, voilà. Je peux regarder? Vas-y, je t'en prie. Tu serviras quelque chose aussi quand même, parce que bon, les gens qui travaillent depuis tout à l'heure, voilà quoi. Oh, il y a même la pâte thermique. C'est très gentil, c'est de la noire. Voilà. Il a dit c'est de la noire. Après, elle a fait. C'est raciste. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que les chiens t'ont placé en fait la noire. Ah ouais. Ouais. Donc ensuite, nous avons les vis. de vis. Donc des vis qui viendront tenir les fixations. Ça vient derrière la carte mère. Donc refroidissement, ventilo, refroidissement. Et tout ça qui s'enlève en bleu. Et en dessous, ce support au niveau de ses doigts, c'est le support qui viendra se poser sur le processeur. Voilà, donc on a placé le support du ventirad derrière la carte mère. Voilà, ici. Ça fait que les pas de vis qui sont là vont ressortir de l'autre côté. On va pouvoir fixer le ventirad de l'autre côté. Là, on va donc placer d'abord la pâte thermique et le processeur. Comme ça, tout est placé. On pourrait même mettre les rames, mais bon, c'est pas très conseillé. On va mettre donc la pâte thermique sur le processeur, et puis on va placer le processeur dans son slot de l'autre côté. Alors ça, ce sont les ventilos. Alors le processeur, il est là. Ouais. Ça, ce sont les ventilos d'origine. Alors si vous n'avez pas de ventirad, vous mettez ces ventilos-là. Très facile à l'installation. On n'a fait que le poser. On appuie, on enclenche ces machins dans les trous. Terminé, c'est posé. Bien sûr, il faut mettre la pâte thermique, sinon... Donc là c'est parti, on va venir installer la carte mère à l'arrière du PC, si je me trompe pas bien sûr, c'est bien l'arrière hein. Ouais c'est l'arrière. Voilà. C'est l'arrière de télé. D'accord, j'ai rien compris mais d'accord, ok. Voilà, on va venir comme je t'ai dit, ces trucs là, ouais. On va venir là-dedans. Voilà, à l'arrière, donc il faut plonger ça bien en avant. Vas-y, vas-y. On peut tenir par là si vous voulez aussi, il m'a dit Sharingan. Ça ouais c'est vrai, on peut ça aide. Tenir avec précaution bien sûr. Voilà, donc... Hop, j'attrape juste là un tout petit peu pour m'aider avec ça. Hop. Est-ce qu'on est bien placé? Vérifie. Normalement, oui. Vérifie les pas de vis. Ouais, moi je suis bien sur tous les pas de vis là, regarde. Là, je suis bien. Là, un tout petit peu décalé peut-être, mais il faut juste pousser un tout petit peu en fait. Voilà, là un tout petit peu, c'est nickel. Normalement, on est sur tous les pas de vis, regarde. Pas de vis au centre placé, ici un peu placé. Ouais, en fait, il faut juste pousser un peu. Ouais, un petit peu ouais. Quand on va pousser un tout petit peu comme ça et qu'on va mettre les vis, ça va être bon. On est en train d'ouvrir les rames. Tadaki là. Voilà. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Voilà, donc des Fury HyperX de 8 plus 8 égale 16. Oh, attendez les gars, j'applaudis. Oh, il est trop fort. Oh putain. Oh là là. Donc voilà, je t'invite à les placer. Alors, sur les côtés. On va les sortir. De quoi sur les côtés? Mets ton doigt sur les côtés, ça va sortir tout seul. Mais ça l'en part, je crois que... Ça va là, au pire on va les sortir. Aussi, oui, t'as vu. Tu te retournes. Au pire, tu es en mode hop. Voilà, donc vérifie qu'il n'y a pas de plastique dessus ou quoi. Bien, c'est bon, allez. Tu vas les placer sur les deux premiers slots, donc tu vas les ouvrir. Comme ça. Comme ça, ouais, je sais, t'inquiète pas. Alors, voilà. Voilà. Et je les place comme ça. Alors vérifie les dents dedans. Alors attends, il n'y a pas beaucoup de lumière. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Ok, j'ai pas mon téléphone. De l'autre côté. C'est sûr. Les dents sont là-bas, en fait. Elles sont là-bas, les dents. Non, non, faut pas forcer. Non, j'ai pas forcé, j'ai pas forcé. Mais normalement, c'est censé faire ça. Toc et toc. Voilà, c'est censé se clipser tout seul. Voilà. Et puis la seconde. C'est pas le beau gosse. Hein. Il y avait des beaux gosses là. Des HyperX. Voilà. Vas-y, prends le temps, tranquille. Te précipite pas. Non, rien. Clac. Alors, faut entendre le petit clac. Faut entendre le petit clac. Très bien. C'est bon. Normalement, c'est mon petit contrôle. Petit contrôle. Très bien. Félicitations. Je sais mettre des barrettes. Donc là, on se retrouve avec le... l'alimentation. Voilà, le l'alimentation. C'est un Cooler Master G750W, enfin M, avec des modules. Donc c'est un modulaire, c'est-à-dire que... donc ça c'est l'alimentation de... On s'en bat les couilles, c'est ce qui va alimenter le PC. On s'en bat les couilles, frère. Voilà, ça... Il y a des trucs. Voilà, ça c'est pour l'excès, c'est pour fixer l'alimentation à la tour. Donc faut pas le perdre. Donc faut pas le perdre. Alors les modulaires c'est ça, regardez. Voilà, les modulaires ce sont ces trucs là. C'est ce qui va venir, admettons. Donc, voilà. Donc ces branchements là vont venir dans l'alimentation. Donc là. Ici, ouais, il y a ici, les fentes, exactement. 4 fentes, et ça, bien sûr, on va s'en servir pour ces branchements-là, on va s'en servir pour alimenter le ventilo de devant, par exemple. Voilà, on va juste faire ça, tu vois. Voilà. Voilà. Et puis là, on peut éteindre et allumer. Tac. Éteindre et allumer, tac. Voilà. Donc, on va l'installer. Donc là, le best du best, les cartes graphiques GTX 1080 de chez MSI. Ici là. MSI. Voilà. Are you ready? Are you ready? C'est parti. Allez. Donc là, j'ai quand même branché l'alimentation, les modulaires, comme vous avez pu le voir. Quelques petits branchements, et là, on s'attaque à la carte graphique, ici. Nous avons les drivers de la carte graphique. Les autocollants, juste pour dire MSI, what the fuck. Et le guide qui sert à rien. Enfin si, non, ça sert pas à rien, mais les guides maintenant c'est plus des livres, c'est des posters les machins. Putain elle est belle. Oh là là, comment elle est belle. Oh là là. Même ma 980 caca. Non pas caca, elle est bien. J'enlève ça. Ah sur un jeu mec. Oui vas-y enlève-le. C'est de là, mec, c'est de là. Ouais, parce qu'il y avait une flèche qui partait vers là-bas, donc... Ouais. Ah, c'est trop beau! Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bientôt. Il nous reste donc un disque dur de 3 Tera, si je ne me trompe pas. Voilà, 3 Tera, ouvre-le, tiens, ouvre-le, comme ça on montrera mieux. Et pour le Windows, ce sera donc un SSD, un Samsung 850 Pro. Ce sera très bien pour Windows, ça ira très vite. Donc, voilà, montre le disque dur, 3 Tera, vas-y, hein, montre-le, n'hésite pas. Voilà, ce sera un bon disque dur pour stocker les logiciels, les jeux, et etc. Ça sert un peu à rien de vous montrer l'arrière, mais on vous montre quand même. Donc les disques durs iront dans ces compartiments. On va pas vous faire de rapidité, puisque là on arrive vraiment à la fin. La carte graphique est branchée, l'alimentation est branchée, le ventilateur et processeur sont branchés, les RAM. Vraiment, on a quasiment tout fait. Il ne reste plus que les disques durs et à installer Windows. Et bien donc voilà les frères et sœurs, on a enfin fini de monter cette tour avec Sharingan. Je te remercie de m'avoir aidé mon ami, parce que je pense que ça m'aurait coûté, pardon, pépette d'aller voir un informaticien pour me faire la tour. Elle est juste magnifique. Si tu veux leur expliquer un tout petit peu la tour, de quoi elle est équipée, même si on leur a dit un tout petit peu, si tu veux faire vite fait un truc super rapide, vite fait un petit... Donc elle est assez équipée pour jouer à pas mal de jeux, dont GTA 5 en full, je dis bien en full totalement, même BO3. Vraiment c'est une bonne bestiole comme on dit. Il aura aussi la surprise de pouvoir jouer à l'Oculus maintenant. Ouais, l'Oculus Rift. J'ai un volant de voiture aussi qui est pas mal. Il y a le volant donc Logitech G27 ou je sais plus comment il s'appelle. Donc vraiment il va vous offrir du gameplay de malade, du lourd. J'espère que ça vous plaira. Et vous lâchez un maximum de likes, sinon... J'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'on l'a fait également en live avec les abonnés du live. Et cette vidéo nous a pris au total à peu près depuis 11h on a commencé. Donc là il est 4h11 qu'on a fini la vidéo à peu près. Donc on s'est tapé à peu près 5 heures entre le montage et le tournage de la vidéo, parce qu'on a dû vous tourner avec 2 caméras, donc on a dû se démerder un peu avec tout ça. J'espère que le taf et la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu vraiment, n'hésitez pas à exploser la barre des likes, ça m'aiderait vraiment, ça nous ferait plaisir en tout cas. N'hésitez pas également aussi à aller voir la chaîne de mon ami Sharingan, elle sera en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est quand même grâce à lui que j'ai vu cette tour. Sur ma tête, carrément. Voilà, tu peux cliquer sur sa gueule aussi, sur sa tête toute moche, tu peux cliquer dessus et tirer sur sa chaîne, voilà tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne, je vous remercie. N'hésitez vraiment pas en tout cas à lâcher un maximum de likes, un pouce bleu comme la tour tout simplement, j'en profite. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille, ciao. Ciao.